1954. C'est seulement ce jour-là que j'ai adhéré totalement. Bon, bien sûr, j'étais très bien. Je n'étais pas comme les Algériens, une grande majorité, qui étaient exploités, torturés, complètement abandonnés par le monde. Non, j'étais bien. Mais il y avait tout de même, comme chez beaucoup de personnes, heureusement, il y avait ce grand sentiment d'injustice. Cette injustice qui s'était abattue sur notre pays. Et plus je grandissais, plus je lisais, bien sûr. Parce que j'ai commencé pas par comprendre la vie réelle, mais par la ressentir à travers les lectures. C'est différent. Il me manquait beaucoup, beaucoup encore. Et j'ai lu, bien sûr, tous ces accaparements des terres. C'est quelque chose d'horrible, l'accaparement des terres. Vous vous rendez compte? Un paysan, on lui prend sa terre et il va aller travailler chez celui qui lui a pris sa terre. Mais c'est horrible. Tout ça, ça a commencé à m'appeler. Et quand le 1er novembre 1954 a éclaté, ça a été un coup de tonnerre dans le ciel de l'Algérie. J'étais à la maison avec mon ex-mari et deux amis. Spontanément, j'ai applaudi. Ils m'ont regardé et l'autre, ils n'ont rien dit. Mais l'autre ami a dit, tu applaudis à des assassins? J'ai dit oui, oui. Et c'est là que ma vie a basculé petit à petit. Parce qu'il y avait tout de même en moi un grand sentiment d'injustice. Un grand sentiment. Et j'ai commencé à vouloir m'engager. Bien entendu, personne ne me connaissait. Ça a été difficile. Personne. Ils ont dû se dire, mais cette femme, c'est la police qui nous l'envoie. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Et mais moi, je voyais que mon but. Et il y avait aussi, vous savez, la situation s'est prêtée beaucoup. Nos deux voisins, le Maroc et la Tunisie, n'étaient pas comme nous, une colonie de peuplement. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte ce qu'est une colonie de peuplement. Dans le continent africain actuellement, il n'y a que deux pays qui sont des colonies de peuplement. Et c'est deux pays à part. C'est l'Algérie et l'Afrique du Sud. C'est tout. Le Maroc et la Tunisie étaient des protectorats qui étaient quand même un peu plus respectés que nous. En plus, au printemps et l'été un peu 1954, il y avait eu Dien Bien Phu. Dien Bien Phu, qui a été un coup de tonnerre extraordinaire, Dien Bien Phu. Ça a été quelque chose de très très grand. Donc je ne me trompais pas, mais je n'étais pas encore formée. Je n'étais pas encore. Les souvenirs que j'ai maintenant. Et bien sûr, j'ai trouvé le contact. On le trouve toujours quand on le veut. Un peu plus tard, beaucoup plus tard. Et puis j'ai milité. J'ai milité. Ni plus que certains. Non, ils sont morts. Nous avons beaucoup de choses. Ne les oublions jamais. Après, j'ai milité comme tout le monde. J'ai fait certaines choses, mais pas
parce que j'étais meilleure que les autres. Je vais vous dire, c'est certain. C'est pas de la modestie. Pourquoi? J'ai pu faire certaines choses un peu dangereuses. Mais parce que j'étais européenne. Qu'est-ce que c'était en 55-56, une femme européenne? En plus, j'avais une voiture. C'est formidable, la voiture. Hein? J'étais bien. Et je n'étais pas fichée par la police. Ils ne me connaissaient pas. Je pouvais. Bon. Mais quand même, j'ai été arrêtée. En octobre 1956. Et c'est là qu'une autre vie a commencé. Une autre vie. On ne fait pas de sage avant d'aller en prison. On y rentre directement. Bon. J'ai fait 6 prisons en tout. 3 en Algérie et 3 en France. En Algérie, on commence à Alger tout par Barberousse. Barberousse. Je me suis trouvé là. J'avais jamais vu une prison. Bon. On m'a mis. On passe d'abord au greffe, on vous enlève tout. Et puis on m'a mis dans une cellule. Bon. Dans cette cellule, un beau jour, rapidement. Quand la corveilleuse, qui était une droit commun, comme on disait, il y avait des droits communs, la corveilleuse qui était une droit commun, donc je m'en méfiais un peu. Hein. Bon. Et j'avais un matelas par terre, et quand elle se baisse pour me déposer la gamelle, j'ai senti quelque chose sur ma robe. J'ai tout de suite mis la main, instinctivement. Et c'était une pomme. Une pomme. Que les 3 sœurs qui m'attendaient, je ne savais pas. Myriam Fadela et Safia. Les 3 sœurs qui m'attendaient, c'est long un peu, non? Allez-y. Et donc, elle m'a envoyé, je ne connaissais pas, elle m'a envoyé cette pomme. Et il y avait un petit mot, un mot magnifique, très court. Notre chère sœur, bientôt tu seras parmi nous. Nous te le promettons. On t'embrasse. À bientôt. C'était bien. Ça m'a donné du courage. Alors j'ai passé le stade là et puis bon, je suis sortie comme tout le monde. Et j'ai fait, après... Il y a eu le procès. Le procès en 1957, en fin mars 1957. Et j'ai été condamnée à 5 ans de prison. C'est pas beaucoup. Il y en a qui ont eu 20 ans et il y en a qui ont eu la condamnation à mort. Alors j'étais tranquille. En fait, c'est pas trop. Donc, pendant ces 5 ans, bien sûr, on ne sort pas de prison comme quand on y est rentré. C'est pas vrai. On est façonné. Et moi, j'ouvrais mes yeux, j'ouvrais mes oreilles, et j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Elles m'ont appris ce que j'ignorais. Leur famille, la souffrance. Et elles étaient beaucoup plus jeunes que moi. Elles avaient été arrêtées en juillet 56, et moi en octobre. Et j'ai appris tout ça. Et leur famille, quand elles venaient par hasard au parloir, hein, leur famille m'ont un peu adoptée. C'était bien. J'évoluais. Et j'écoutais. J'ai beaucoup écouté. Mais à Barberousse, il y avait les exécutions. Dans l'Ouniareski, je crois que c'est en 57 qu'il est. 8 avril 1957. Il y avait donc ceux qui partaient à l'aube pour la guillotine dans l'Ouniareski. J'ai assisté à pas mal d'exécutions.
quand ils étaient pris dans leur cellule, les premières auxquelles j'ai assisté, c'était le 11 février 1957. Il y avait Fernand Jean, Mohamed Mounouri et Mohamed Zahmet. Et le matin, à l'aube, quand il fait encore un peu noir, hein, quand on entendait Allahu Akbar, on savait ce que ça voulait dire. Il les emmenait à la guillotine. Et alors là, la prison, elle était en état d'émeute. Il ne partait pas seul. Il ne partait pas seul. On lançait des slogans. On lançait des... On chantait. On les menaçait, ceux qui étaient là autour. Nous, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Mais on les menaçait. On leur disait, on les mangera. On était terribles. Et la population de la Casbah vous répondait. Et alors, on faisait des... Alors nous, on ne faisait pas des... Premier... Non, après... Et la Casbah, quand elle venait pour voir les noms de ceux qui avaient été guillotinés, elle venait les voir, parce que c'était affiché à la porte de la prison. C'était affiché. Elle faisait des youyou. On disait, ça y est, ils sont là. Et donc, à Barberousse, on a vécu dans la peur des exécutions, c'est clair. On avait peur de ça. Puis c'était aussi l'endroit où on avait les avocats, comme on n'était pas passé au procès. On avait les avocats. Je pourrais vous en raconter, mon Dieu. Et je suis sortie de prison 5 ans plus tard. J'étais une autre femme. Je n'étais plus celle qui est rentrée. Et Hadja, aujourd'hui, vous êtes un témoin d'une époque que je n'ai pas connue, on ne m'a même pas raconté cette époque. Vous êtes une époque, vous avez traversé, comme l'Algérie, tous ces moments difficiles. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, où on a emmené mon père à la ligne Marais. La Deuxième Guerre mondiale, toujours entre la Deuxième Guerre mondiale et le 1er novembre 1944, il y a eu la dernière guerre. Et vous avez assisté à tout ça, avec la date charnière de 1945, et 2 ans plus tard, il y a eu la création de force. Et donc, on parle de beaucoup de choses, bien sûr. Madame Anistener, nous saurons aujourd'hui ce que j'ai à vous dire, et j'ai à dire à l'assistante, s'il vous plaît. Madame Anistener m'a appelé.